Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Cabinet Maître Black Oya, je vous écoute. Que le Seigneur Dieu d'Abraham dépose son esprit saint sur vous. Voilà mon père. Effectivement, je suis avec ton dossier devant moi. Mais il s'agit de quoi exactement, mon père? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'Arafat n'a qu'à le vivre. Il y a des soucis qui sont dans cette affaire. Mais vous avez échoué au nom de Jésus-Christ. Reste tranquille, je vous le dis. Au plus tard, vendredi minuit, vous aurez la honte nationale, une honte internationale. Mais oui, ils auront vraiment honte. Mais parce qu'Arafat ne peut pas mourir comme ça. Arafat ne peut pas mourir comme une poule. Oui, personne ne pouvait, quoi que ce soit contre lui. Hein? Non, c'est-à-dire que, mon père, je vais utiliser tout ce que j'ai comme connaissance juridique pour défendre ce cas-ci-là. J'ai l'impression qu'il y a des sorciers qui sont dans cette affaire. Laisse les sorciers où ils sont, laisse les sorciers. Mais dis-moi exactement le mobile de ta plainte. C'est-à-dire que, quel est l'objet de ta plainte? Donne-moi le corps, le cadavre d'Arafat, je vais prier tout ça. Bon, mon père, je consulte ton dossier et puis je te reviens. Non, c'est mieux, je te reviens. Qui a dit aux gens que Arafat est décédé? C'est faux. Arafat n'est pas mort. Qui vous a dit que les gens comme Arafat meurent? Les gens comme Arafat? Parce que même d'abord pour dire que quelqu'un est mort, la personne tombe malade, tu t'habitues à la maladie, tu comprends que la personne peut mourir du jour au lendemain. En ce moment, quand la personne meurt, c'est normal, la mort est naturelle. Si la personne fait même l'accident, comme c'est le cas pour Arafat, on te dit d'abord qu'il a fait l'accident, il est à l'hôpital, non, on va l'opérer, non, il est dans le coma, il est sorti, on l'a opéré, l'opération s'est bien passée ou ça s'est mal passé. Après, c'est-à-dire que même ta tête est déjà préparée à recevoir qu'il est mort. Arafat n'est pas mort. Non, Arafat n'est pas mort. Arafat a disparu. Mais Arafat a disparu. Mais Arafat sort de la salle de spectacle où il a donné le spectacle. Il demande la moto. À peine il arrive en route, on appelle les gens avec qui il était, on dit que Arafat vient de faire l'accident. Sans même que les gens en arrivent là, on te dit Arafat est décédé. Non, ça serait pas au décès. Arafat a disparu. Arafat a disparu. Est-ce que vous ne savez pas que maintenant Dieu peut utiliser Arafat? Dieu peut utiliser Arafat pour combattre le diable. Imaginez-vous le nombre de directs qu'Arafat faisait par jour. Il attaquait Serge Beno. Il attaquait Molard. Il attaquait à gauche Asalfo. Il attaquait à droite ses copines. Imaginez qu'il concentre tout ça comme ça. Il n'attaque que le diable avec. Toute la journée, c'est sur le diable. Direct Arafat sur le diable. Direct Arafat sur le diable. Il va neutraliser le diable. Ce qui se arrive, il va anéantir le diable. Et si ça ne marche pas, on récupère les roues casse de Arafat là, on jette ça dans les oreilles du diable. Ce qui est sûr, le diable va s'affaiblir. Il sera vaincu. Il sera vaincu. C'est ça. Mon père, ne me laisse pas. Oui, mon père. Oui, mais mon père, je vous ai dit que je vais vous appeler. Non, j'ai... Bon, ok. Bon, ça va. Non, c'est parce que je t'ai dit tout à l'heure que je vais t'appeler. C'est ça qui m'étonne que tu me rappelles. Bon, dis-moi exactement ce que tu attends. Parce que comme je dis souvent à mes clients, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Tout ce que je veux, donne-moi le corps, le cadavre dans la partie, je vais prier tout ça. Est-ce que vous avez bien compris? Ok, bon, mon père, en dehors du corps d'Arafat, si on te donne combien, bon, je veux parler d'argent quoi, c'est-à-dire si on te donne combien, ça peut te calmer, tu t'as dit, on peut te payer. Je ne vais pas avoir 5 francs, je ne vais pas avoir 10 francs, ne me donnez rien, même mon transport est payé pour partir payer. Mon père, on ne sait jamais, hein. Si par malheur comme ça là, c'est-à-dire la famille, les fans de Didier Arafat, il a ses fans qu'on appelle les Chinois, et il décide même sur le corps là, plus que la famille. S'il décide donc de te remettre le corps là, et que par malheur, tu ne le ressuscites pas, tu vas aller dire quoi? Tu vas dire quoi aux Chinois? Quand tu lis Matthieu chapitre 10, verset 7 et 8, écoute très bien ce que le Seigneur dit. Il lance mot d'ordre à tous les Chinois. Les Chinois, c'est comme les fourmis manières. Tu connais pour la kikine? Tu vas aller dire quoi? Matthieu 10, verset 8.
frères et sœurs, je m'appuie sur ces paroles. Tu t'appuies sur ces paroles? J'espère que tu vas pouvoir gérer avec les Chinois. Si par malheur, ça ne marche pas. La Chine, le mot d'ordre est lancé. Dans toi, Bidia, gricassé. Là, je ne pourrais plus t'aider. Pourquoi je vais bien venir me vendre comme ça à la nation barrière mon entier? Pourquoi? Il y a des gens qui meurent, pourquoi ils ne font pas ça? C'est parce que Dieu m'a dit, en fait, tu vas mourir comme ça, ceci, cela. En 2016, s'il meurt, prend son corps pris. Quoi? Dieu m'a dit à Arafat, il va mourir comme ça, ceci, cela. En 2016, s'il meurt, prend son corps pris. Arafat va mourir en 2016. Yay. Et tu me dis, toi-même, tu es en santé. Eh, hey, mon père, non, il faut d'abord que toi-même, tu te suicides. Non. Donc, confie-toi à quelqu'un d'autre, confie-toi à un autre ami, avocat. Tu regardes, Arafat va mourir en 2016. Il est mort depuis. Elle a fallu d'aller en 2019, non, 2016, ce sera après 2019. Eh, hey, mon père, hey, toi-même, tu es massacré. Hey.